suis très heureux de vous accueillir ici. Alors, je ne sais pas comment je dois dire si nous sommes à Thaon-les-Vosges ou à Cap-Avenir-Vosges. En tous les cas, bienvenue à la Rotonde pour cette troisième convention du personnel Vosgélis. Accueillons maintenant celui qui est le directeur général depuis plusieurs années, monsieur Vincent Henneron, s'il vous plaît. J'espère sincèrement que 2016, à l'instar de ce qu'on a connu en 2015, puisse nous apporter effectivement un monde beaucoup plus apaisé, serein, solidaire. J'espère qu'il fera bon vivre ensemble et que nos enfants puissent aussi avoir un avenir dans un monde quand même qui est quand même compliqué à décrypter et à vivre en ce moment. Nous sommes une entreprise qui sommes fortement ancrée sur notre territoire. Et je dirais même plus, les sociétés HM, les bailleurs sociaux, de toute façon, sont au cœur des sociétés. Ben, nous sommes au cœur aussi de notre société. On loge quand même 8% de la population de ce département. Donc forcément, encore une fois, on est au cœur de cette société et on la sent bouger au quotidien. Les gens qui sont en proximité forte avec nos clients savent de quoi je veux parler. Il faut qu'on aille plus loin dans notre réponse habitat. C'est tout le projet, de toute façon, qu'on est en train de développer avec les services que nous développerons, notamment pour nos habitants. Vosgélis, effectivement, est une entreprise responsable, citoyenne, mais dont la finalité, et c'est une des choses les plus compliquées, c'est de faire cohabiter à la fois réalité économique et réalité sociale. Donc c'est ça notre finalité, notre difficulté à faire au quotidien. Donc, dans un contexte de contraction de nos ressources, c'est encore quand même plus de 22 millions d'euros qu'on va consacrer à nos investissements cette année. 22 millions d'euros. Et plus de 8 millions d'euros également dans l'exploitation. Quand on parle d'exploitation, c'est l'entretien de nos immeubles. Donc, ce qui nous fait 30 millions d'injections exactement. Dans le patrimoine, enfin dans le patrimoine et sur le territoire. Voilà, donc c'est 30 millions d'euros qui vont être injectés mais directement dans l'économie locale. Et si on fait un petit comparatif par rapport à nos ressources, 55 millions d'euros de loyer, 30 millions d'euros d'injectés, c'est plus quand même plus de 55% qui sont envoyés dans l'outil. 55%. Moi, je ne connais pas, sincèrement, beaucoup de secteurs d'activité qui ont un tel niveau d'engagement. Évident ici, et je vais le rappeler encore, qu'il n'y a pas de succès individuel dans la vie. Je l'ai toujours rappelé depuis que je suis arrivé. Il n'y a que des succès collectifs. Ne croyez pas qu'on puisse engager des projets en étant seul, ça n'existe pas. Si vous n'emmenez pas les gens, si vous ne les fédérez pas autour d'un projet, il n'y a rien qui se passe derrière. Bah, la vraie force, elle est devant vous, elle est devant les 225 collaborateurs de l'entreprise. Ce qui est toujours important, effectivement, c'est quand même de bien comprendre ce qui se passe autour de vous. Parce que si on n'a pas bien compris, c'est clair qu'on a plus de chances de se planter que d'y arriver. Donc il faut toujours comprendre, il faut s'adapter, puisqu'on est quand même dans un environnement où, de manière perpétuelle, il faut continuer à s'adapter, mais toujours pour mieux agir et saisir des opportunités, parce que bien évidemment, il y a des opportunités qui vont arriver dans un monde qui change. La chance qu'on a chez Vosgélis, c'est qu'on n'est pas en train de courir. La taille critique, il y a longtemps qu'on a. Donc, 18 000 logements, on a une taille critique qui nous permet effectivement de voir. Et puis la vraie force aussi qu'on a dans cette entreprise, c'est que ça a été extrêmement bien géré. On a des fondamentaux financiers qui nous permettent effectivement de faire des choix. À Épinal, les locataires susceptibles de percevoir de l'APL sont répertoriés. Et ensuite, nous, en agence, à proximité, on constitue le dossier d'APL. Vous avez récupéré combien, à peu près, dans cette campagne de solvabilisation? Alors, à peu près, je dirais 21 000 euros par mois, donc quelque chose, plus de 200 000 à l'année, de 3 mensuels. D'accord. Et en montant de rappel, à peu près 100 000 euros sur 2015. C'est effectivement un travail de collaboration, c'est un travail d'équipe. J'ai besoin effectivement de tous mes collègues sur différents niveaux, mais effectivement, voilà, on travaille vraiment tous ensemble et je remercie, j'en profite pour remercier tout le monde de l'accueil que vous m'avez fait en arrivant, parce que voilà, j'ai été bien accueillie et je sentais que j'étais attendue, entre guillemets. Le défi famille énergie positive, c'est sous forme, c'est comme un jeu, un défi, il n'y a pas de contrainte. Donc c'est sur la période hivernale de novembre à avril. Donc le but est de réduire les consommations de toute énergie dans un logement. Pour 2016, on doit avoir
15 opérations qui concernent 524 logements pour un budget donc en amélioration pure de 9,5 millions. Et ça concerne une quarantaine de bâtiments. C'est souvent évidemment l'aspect thermique qui est pris en compte. C'est un des points cruciaux. Alors c'est essentiellement sur le thermique qu'on joue, oui, parce que j'allais dire notre levier principal pour réduire les charges à nous, c'est la baisse de consommation énergétique, donc qui est atteinte par le biais des économies au niveau de la thermique. Et on rejoint évidemment toujours cette volonté d'avoir des logements à moindre coût pour les locataires. Et vous avez cité des chiffres, donc 9,5 ou 10 millions d'euros d'injecter dans l'économie à travers évidemment ces travaux. C'est bon pour l'entreprise et les entreprises du territoire. Merci Jean-Luc. Là dans le neuf, il faut absolument que le locataire puisse avoir des charges très contenues, puisque on le voit, les charges énergétiques ont tendance à augmenter, que ce soit les abonnements, que ce soit le coût de l'énergie, plus le contexte un petit peu particulier de paupérisation des ménages fait que aujourd'hui cette quête est absolument nécessaire à atteindre. Quoi. Dès qu'on travaille dans l'humain, généralement on trouve effectivement un certain nombre de valeurs et puis de sens. Et c'est pas parce qu'on a des handicaps dans la vie, pour diverses raisons, qu'on n'a pas effectivement besoin d'avoir de te réinsérer ou de trouver une seconde chance pour l'avenir. Travail aussi qu'on fait avec ça, d'ailleurs. Il n'y a pas de situation sans solution. Par contre, certaines, effectivement, demandent un peu d'expertise, demandent du réseau, demandent de la compétence. Et c'est vrai que moi, je fatigue un peu mes collègues à leur dire la mission principale, c'est zéro personne sur le carreau. Et avec vous, j'aimerais que l'on parle d'un projet qui est le projet de l'appartement pédagogique que vous êtes en train de monter. C'est un partenariat avec Bougelis, dans un appartement qui est situé à Golbey, en quartier politique de la ville. Et cet appartement pédagogique, ce sera un lieu de vie où on ne veut surtout rien s'interdire. Et donc vous travaillez ensemble, et vous travaillez avec d'autres bailleurs sociaux, justement sur des outils qui s'appellent la création de valeur pour savoir que pèse réellement un bailleur social comme Bougelis. Le projet de création de valeur est un projet qui a été... je dirais soutenu au niveau national par la Caisse des dépôts et par l'Union sociale pour l'habitat, parce que c'est vrai que souvent on voit le bailleur social sur sa mission première, loger, et puis on met tout de suite derrière le social et on oublie son poids économique qu'il peut avoir sur le territoire. Et donc c'est un acteur extraordinairement important, notamment je dirais sur des territoires qui peuvent être détendus. Et j'aimerais que dans cette dernière séquence, eh bien, on accorde un peu d'attention à celles et ceux qui nous ont quittés et celles et ceux qui nous ont rejoints, qui vous ont rejoints. Que j'aimerais que l'on ait une pensée pour Catherine Manjol qui est décédée cette année, l'année dernière, et on a une pensée évidemment assez proche. Voilà, c'était donc cette séquence que je souhaitais partager avec vous. Ce n'est pas toujours évident. Dans tous les cas, voilà, nous avons une pensée, vous avez une pensée pour Catherine. Voilà, donc merci à vous en tous les cas de m'avoir écouté. Je suis sincèrement encore une fois ravi de travailler à vos côtés pour ce que vous m'apportez au quotidien. Vous m'avez encore fait grandir cette année, enfin, l'année dernière. Vous me ferez encore grandir cette année. Et au-delà de ça, je pense que c'est ce qui est important. Et je suis assez fier d'être à vos côtés au quotidien. Voilà, merci.